Salut, c'est Yoran. C'est une nouvelle journée. Méditons ensemble sur la prière. La pensée du jour se trouve dans Luc chapitre 18, versets 40 et 41. Jésus lui demande « Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Cette question, Jésus la pose à Bartimée, un aveugle de Jéricho qui l'interpellait avec vigueur alors qu'il passait non loin de lui. La question de Jésus peut sembler surprenante. C'est vrai, que pourrait bien vouloir un aveugle, sinon de recouvrer la vue ? Jésus le savait bien aussi. Mais il lui pose la question, je pense parce qu'il voudrait qu'il puisse exprimer sa demande. Et en exprimant sa demande, en même temps, il exprime sa foi. Il professe sa foi. Il en est de même pour toi et moi aujourd'hui. Dieu connaît tout ce qui se trouve à l'intérieur de nous, nos aspirations les plus profondes, nos besoins également. Mais il te demande d'exprimer tout cela. Non pas pour l'informer, mais parce que ce sera l'occasion pour toi de prendre conscience de ta dépendance de lui, de ton besoin de lui, et ce sera aussi l'occasion d'exprimer, de professer ta foi en lui. Alors aujourd'hui, je te propose de continuer encore et encore à te tourner vers le Seigneur et lui exprimer des demandes précises, parce qu'en faisant cela, en réalité, tu lui exprimes ton besoin de lui et tu lui exprimes ta foi qu'il est capable de répondre à toutes tes prières. C'est une joie de te retrouver jour après jour et de pouvoir méditer ensemble sur la parole de Dieu. Eh bien, merci aussi pour tes demandes de prière. Et puis, continuons à avancer, à se soutenir. Et n'hésite pas à partager aussi les pensées du jour. Rendez-vous dès demain pour la suite de notre chemin ensemble.